Hey, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et on est dans un endroit très spécial, on est au tout début, près du Temple du Temps, juste à côté de où est-ce que le vieux monsieur habitait. Donc là, il n'est plus là. Donc le roi d'Hyrule, bien sûr. Mais du coup, je sais plus, je pense qu'il est dans la maison en fait en bas. Très possible. Mais du coup, on devait se rendre au sanctuaire de la Renaissance. Et j'ai pas voulu me téléporter tout de suite. Je voulais refaire le chemin comme on l'avait fait au début. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Bientôt, très très bientôt, le château sera à moi. Regardez-moi ça. Presque tout est prêt. Nos pouvoirs sont au maximum. Le sanctuaire est là. C'est parti. Toi qui souhaites commander à une créature divine, tu es de retour, là où tout a commencé. Tu as triomphé de chaque épreuve. Il est temps de te présenter la toute dernière. Replace la tablette Sheikah sur le terminal dont tu l'as retirée au début de ton périple. Et la voie s'ouvrira. C'est excitant. Je vérifie que je l'avais pas pris. Mais je pense que elle s'était prise toute seule en photo en fait. Bref. On y va. Veuillez insérer la tablette Sheikah. Tablette Sheikah reconnue. Oh. Fermeture du sanctuaire. Descente enclenchée. Quelques secousses sont à prévoir. Oh. C'est parti les amis. On y va. On y va, on y va. Nos pouvoirs de prodige sont boostés à fond. On a tous nos cœurs. On a toute l'endurance possible. J'aurais pu récupérer un cœur de plus, mais ça ferait pas de grosse différence. On est prêt. On a plein de bonnes armes et tout. L'épreuve ultime. Le Korogu est parti, hein. Oh là, où suis-je? Je suis toujours là. Je peux me téléporter. Ouais. Je sais pas si je me TP, qu'est-ce que ça fait? Genre si je me TP là, puis après que je veux revenir, si je me TP ici, je vais me TP en bas? Je sais pas. Sois le bienvenu. Tu as triomphé de bien des obstacles avant d'arriver jusqu'ici. La dernière épreuve t'attend. Waouh. Il te faudra trouver ton chemin dans ce labyrinthe tortueux. Pour cela, commence par obtenir la carte. La pierre guide détient les informations dont tu as besoin. Allons-y. À votre arrivée au sous-sol, vous avez découvert une zone exceptionnellement vaste. Traversez le labyrinthe. Waouh. Vous avez activé un mécanisme qui a fait descendre le sanctuaire entier. Il devait faire partie de l'épreuve depuis sa conception. Waouh.
Table échec a reconnu obtention de la carte en cours. Commande de la créature. Wow. Vous avez désormais accès aux commandes de la créature divine. Et personne ne me parle. C'est à moi d'y aller. On commence par quoi? Regardez. Chaque point représente un truc. D'ailleurs, il y en a 4, il n'y en a pas 5. D'habitude, il y en a 5. Oui, ok. Oui, c'est mieux dans l'autre sens. Hein. On est d'accord. Oh my god. J'ai de la chance. Normalement, tu touches ces pics-là et tu revoles partout. Oh my god, oui. Il faut que je l'inverse. Il va falloir que je joue avec les engrenages. Parfait. Toi, tu vas ici. Aider. Tablette Sheikah reconnue. Ouverture d'un verrou. Oh. Ok. Il reste encore 3 terminaux de contrôle. La porte est là. Vite. C'est bon. Oh, c'est bon. Je vais me servir de ça pour monter. Ok, je suis un petit peu à l'envers, mais j'avoue. Deuxième verrou. C'est bon. Je prends même pas le coffre. Oh, tristesse. Let's go. C'est smart. C'est vraiment smart. Oh, c'est passé? Oui, c'est assez. Et voilà. Ouverture d'un verrou. Parfait. Et voilà. Tablette Sheikah reconnue. Ouverture d'un verrou. Le dernier.
tous les verrous ont été ouverts depuis la terminaux de contrôle. La dernière zone est accessible. On y va. Si j'avais vu en plus, je me rappelle. C'est l'heure de rentrer l'engrenage. Et voilà. Bonjour. Regardez-moi ça. Je sais pas où est-ce qu'on est, mais c'est magnifique. Comment on prend un screen déjà? Comme ça. Regardez-moi ça autour. On est sous la terre. On va savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Je crois qu'il y a moyen de ramener un cube ici, quelque chose, pour monter. C'est magnifique. Bref. On y va. C'est parti. Tu as plus que prouvé ta valeur, héros. Au nom de la déesse Ilia. Je te soumets à l'épreuve finale. Commençons. Oh yeah. Dégage. Oh. T'es nul. Qu'est-ce que ça? J'aimerais tester une chose. Ça fonctionne? Ça fonctionne? La banane? La banane fonctionne? Ça, je savais pas. Hein. J'ai juste voulu essayer. La banane! Ha!
essayer un truc. Après. Je veux pas rater ma flèche. Ça marche. Ça aurait pu marcher. Ça a pas fait grand chose. Où est le vent? Trouvé. Ouf. Mais pas trop mal. Faut jamais parler trop vite. Allô? The fuck is that? C'est clairement des Yigas, ça. Sortir. Je fais pas de dégâts. Faut juste que j'endure, je pense. Ou que je. Oh. Je peux atterrir sur son chapeau. Alors. Les prochaines. Ça. Ça va marcher. Wow. Pas fait le. Je t'attends. Il fait un peu de tout en fait. J'ai pas réussi à le ravir. Bon, ça arrive bientôt. Ouch. Courab. Ça fait pas assez. Ça fait rien. La colère d'Urbosa est à ta disposition. Thank you.
C'est quoi ça? C'est des mini lui? Ciao. Et voilà. Ouf.
vous acceptez une mission qui met votre vie en péril. Soyez remerciés. Je vous nomme prodige du royaume. Portez fièrement ce titre et l'habit qui le représente. L'azur de sa trame est celui de la famille royale d'Hyrule depuis l'aube de son règne. La princesse Zelda a tissé ses vêtements comme elle a tissé le lien qui vous unit. Ma fille, l'heure est venue de tenir le rôle auquel ta naissance te destine. Conduis les prodiges à la bataille. Combat, Hyrule, et protège notre royaume du fléau jusqu'à ton dernier souffle. Je sais pas vous, mais moi je suis pas trop à mon aise dans ces trucs officiels. Voilà donc la fameuse tablette Sheikah. Il semble qu'elle ait été conçue pour remplir différentes fonctions. Malheureusement, nous sommes encore loin d'avoir percé tous ces secrets. En tout cas, elle crée des images fidèles à la réalité. Je l'ai vu. La princesse m'a fait une démonstration l'autre jour. C'est incroyable. Je serais curieuse de voir ça. Votre Altesse, dites-moi, pourrais-je vous demander une faveur ? Bon, on va faire ça ici, ça sera très bien. Regardez tous la tablette Sheikah. Daruk, si tu ne te baisses pas un peu, tu ne rentreras jamais dans le cadre. Moi ? Pourquoi cet air sinistre, Votre Altesse ? Faites-moi un beau sourire. Révali, rapproche-toi au lieu de soupirer. Ah, je vous jure. Mipha, t'es raide comme un piquet. Respire un grand coup. D'accord. Regardez tous par ici. Tout le monde est prêt ? Faites-moi un magnifique... Parce que quand même, moi je prends des screenshots. Mais c'était très émouvant. J'ai versé une petite larme. Et voilà. À compter de ce jour, ils connurent le prestige qui revient à qui porte le titre de prodige. Mon maître me disait que lorsque l'on écrit, il faut que les mots brillent des couleurs de la vie. Mon voyage est achevé. Aujourd'hui, je comprends et je le remercie pour ses enseignements. J'oubliais. J'ai trouvé quelque chose en rangeant les journaux que mon maître tenait de son vivant. Je crois qu'il serait juste que la chose te retienne, revienne. Toi, qui as des prodiges, la volonté sereine. Photo des prodiges, pris après la cérémonie d'intronisation. Ce cliché montre la princesse Zelda entourée de ses 5 prodiges. Azarim vous l'a remis une fois son ode aux prodiges terminée. Puissent les âmes des prodiges à jamais protéger le royaume d'Hyrule et en paix reposer. Link, j'ai été témoin de tes exploits. Tu as relevé chaque épreuve avec courage. Ton pouvoir est grand. Tu es prêt à présent. Va, accomplis ton destin. J'arrive. Tu triompheras du fléau. Je le sais. C'est
l'objectif du prochain épisode. Terminé. Mais avant, il y a 3 choses que j'aimerais faire avant de terminer cet épisode. J'aimerais déjà tester cette petite moto. Je vais voir qu'est-ce qu'elle vaut. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Quand même, j'ai jamais testé la moto. Donc la moto est là. Saut alpha. Ok. La moto, c'est bon. On va quand même tester un peu plus là. Ça, puis j'aimerais... Ouais, ok, parfait. Donc moi, je voulais me rendre à Illimit. Ici. On testera la moto là-bas. Stylé, hein. Stylé cette moto. Je sais que ça a fait pas mal. Et du coup, elle apparaît dans l'écran de chargement. Ça a fait pas mal de parler un petit peu la moto. Les gens auraient voulu vraiment une créature divine. Pas juste un transport. Ben, un transport sûrement, mais. Je veux dire, la créature divine peut te transporter, mais. Je pense que les gens auraient aimé quelque chose de plus gros. On va la tester. Parce qu'en fait, je veux retourner chez moi. Cette ode au prodige n'est pas terminée pour ceux qui le savent pas. Accélère. On peut drifter, hein. Alors, je sais pas. On voit le carburant ici, ouais. À droite. Parce qu'on vit très bizarrement. Je préfère que... Je préfère le cheval, juste pour tout vous dire. Mais c'est quand même... C'est rapide, c'est quand même sympa. Puis au moins, il est... Bon. Je pense qu'il faut que j'apprenne à pas tomber dans l'eau avec. C'est quand même sympa. Je sais qu'il y a déjà une année, il allait tellement vite avec. J'espère que vous m'entendez, c'est quand même assez fort. Il allait tellement vite avec que le jeu a commencé à friser. Tellement qu'il chargeait du terrain. Voilà. Quoi donc? Je prends ma retraite. Ah! Tu as bien raison. Ok. Mais du coup, lui est à côté. T'as juste à voir. Allô? Félicitations pour ce bel achat. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais enlever les armes quand même. Lorsque vous retournez chez vous après l'odeur prodige, la photographie qu'Azarim vous a remise serait bien mise en valeur sur un mur comme celui-ci. Voulez-vous accrocher la photographie? Oui. C'est mignon. C'est tout mignon. C'est un petit détail, hein. C'est absolument... Mais je voulais que ce soit fait. Je voulais absolument que ce soit fait. Regardez-moi ça. Nickel, ça c'est fait. Vous êtes prêts, tout le monde?
Je t'attendais. Merci d'être venu. J'aimerais également te parler. Cela risque de durer un certain temps. J'ai tout mon temps. Je te remercie infiniment. Je dois te parler de mon maître. Mon maître, un membre du clan Sheikah, était le poète officiel de la cour de la famille royale d'Hyrule. La princesse royale de cette époque était l'incarnation même de la beauté. Et elle et mon maître étaient d'un âge similaire. Et même s'il ne pouvait pas... Mais même s'il ne pouvait ignorer que son amour ne serait jamais partagé, mon maître s'est pris de la princesse. La princesse, en effet, n'avait Dieu que pour son protecteur, le capitaine de la garde royale. Mon maître était dévoré par la jalousie. Intérieurement, il fulminait contre celui qu'il jugeait indigne de la princesse, n'étant même pas de sang royal. Puis vint le grand fléau. Mon maître était persuadé qu'un héros surgirait un jour pour renvoyer le fléau dans les limbes dont il était sorti. Il mit cette conviction dans un chant. C'est ce chant que tu dois entendre. Magnifique. Lors du grand fléau, mon maître n'a pas eu d'autre choix que de fuir et à regagner son village natal, le village Cocorico. Mais en chemin, il fut témoin du sacrifice du capitaine de la garde royale qui tentait de protéger la princesse d'Hyrule. C'est nous, en fait, le capitaine de la garde royale. Arrivé au village, Dame Impa lui ouvrit les yeux sur la vraie valeur de celui qu'il avait si longtemps méprisé. Mon maître décide alors de retrouver les anciens chants composés à l'époque où le héros de la légende avait banni le fléau. Il fit le souhait que ces chants soient rapportés au capitaine afin de l'aider à assister la princesse dans son combat. C'était là son dernier vœu, et je suis à présent le dépositaire de son ultime volonté. Link, capitaine de la garde royale, acceptes-tu de recevoir le legs de mon maître? Merci. L'esprit de mon maître peut reposer en paix à présent. Mon maître évoquait souvent la beauté de la princesse. Qui sait? Peut-être pourrais-je la rencontrer et composer un chant qui soit digne d'elle. Merci encore de m'avoir permis d'abuser ainsi de ton temps. Magnifique. Il sait du coup qu'on est vraiment le Link de la légende. Celui qui perdit, qui se sacrifia pour la princesse d'Hyrule. Bref. Du coup, voilà, nous on va s'arrêter là, ça fait quand même un petit moment qu'on recorde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner. On s'arrête quand même dans un endroit très tranquille. Au prochain épisode, un programme chargé, puisqu'on va finalement s'attaquer au château d'Hyrule. On va juste le commencer, se rendre, explorer un petit peu le château. Se rendre dans le château puis l'explorer un petit peu. Je pense que ça va être tout. On fera absolument pas Ganon aujourd'hui, hein, bien sûr. Il nous reste quelques petits trucs à faire quand même avant. Bien sûr, encore quelques épisodes. Quelques épisodes et Ganon arrivera. Et après Ganon, le jeu sera terminé. Parfait. Du coup, voilà. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. À la prochaine. Allez, ciao, ciao!